Une quarantaine de femmes venues des villages de la commune de Gagnoua ont été formées à la mise en place du budget familial, grâce à un partenariat avec la Jeune Chambre internationale de Gagnoua. Selon le formateur spécialiste en gestion, le budget familial constitue simplement les prévisions des recettes et des dépenses. Pour lui, avant d'engager des achats, il faut penser aux ressources. On voit aussi la priorité de la dépense. Si elle n'est pas prioritaire, on peut ajourner cette dépense. Parce que ce sont elles qui gèrent tout dans le foyer. Et sans leur gestion rigoureuse, la famille partit à bas l'eau. L'objectif de ce séminaire est d'apporter un plus aux femmes dans la gestion qu'elles font déjà bien de leur ménage, assure le maître de projet. Faire en sorte que ces femmes-là soient indépendantes. Alors, lorsqu'elles vont avoir un crédit, un prêt bancaire, ou bien elles vont prendre leur tontine pour faire leurs affaires, ou bien qu'elles vont voir le revenu de leur mari et même leur propre revenu, elles vont ajuster les dépenses de sorte à pouvoir épargner et faire en sorte que la famille soit bien et qu'on évite les enfants dans la rue, la débauche. Ce séminaire, qui a eu pour cadre la salle polyvalente de la cité du Prouvemagé, a permis aux participantes d'avoir des attestations de fin de formation, mais également de nombreux présents pour leur courage au quotidien au service de la famille.